Ouais, ben moi je vous dis, on va rentrer bredouille. Hein. Bah j'espère pas, on est là depuis ce matin. Non mais attendez, franchement, vous croyez vraiment qu'il y a des poissons dans cette rivière? Moi je te parie qu'il y en a un qui nous a repérés et qui a été prévenir les autres. Ah parce que toi, tu crois que les poissons, ils communiquent entre eux? Tout le monde communique. Bon, allez, vite, la deuxième, je vais voir Claude, là, hein, allez. Salut. Bonjour. Claude, tu peux me brancher le monte charge? T'attends une minute, je termine avec Polo. Mais ça urge, là. C'est pas moi qui suis en retard. Je sais, un problème avec ma bagnole. Hey, je sais aussi qu'il faut finir l'isolation en plus vite. Bon, écoute, si t'es occupé, je peux brancher moi-même. Hein. Je sais faire, c'est pas sorcier. C'est peut-être pas sorcier, mais c'est quand même moi qui vais le faire. Ok? Toujours à ronchonner. Mais c'est pas vrai, nom d'un chien, mais c'est ma journée ou quoi? Mais allez, allez! Allez, mais qu'est-ce que tu fous? Allez, quoi? Oh! Ah, oh, c'est pas vrai, bon, mais les aides, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, là, là, c'est pas vrai. Hey, Claude, mon charge est en panne. Bah, dis donc, c'est ton jour de chance aujourd'hui. Tu devrais jouer au loto, hein? Oh, très drôle. Bon, tu t'en occupes? Ça marche. Ah, je te trouve. Il y a Denis qui a un problème avec le monte-charge, il faut que tu interviennes tout de suite. Bon, j'y vais. Ça tombe bien, là, je viens de finir la ligne du bâtiment. Si tu dois couper l'électricité, tu me préviens. Hein. J'alerterai les autres équipes. Ça marche. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Ok, ciao. C'est pareil quand tu conduis. Comment ça? Bah faut que tu saches que vont faire les autres et vice-versa, quoi, sinon c'est l'accident. Ouais, et alors? Bah et alors, tu communiques. Les appels de phare, les feux, les stops, les warnings, le klaxon, tout ça, c'est un langage qu'on nous a appris, comme tous les langages d'ailleurs. Ah ouais? Bah oui.
Bon, c'est rien, c'est un disjoncteur qui a foré, il faudrait que tu m'en passes un neuf. Et puis, il va falloir que je coupe le jeu. Ok, bon, ben, je préviens les équipes du secteur qui sont branchées sur l'armoire. C'est quoi le numéro de l'armoire? C'est la 8. Ok, la 8. Bon, ben, tu vas au magasin, t'en prends un neuf. Ouais, ça marche. Bon, la remise en route, là, c'est pour aujourd'hui. Mais t'es hors tension, là. Pourquoi t'as mis tout ton fourbi? Eh oh, dis donc, là. Tu te connais en élec, toi. Regarde, là. Effectivement, là, je suis hors tension, tu vois. Mais là, regarde, il y a encore du jus. OK, alors, allez, recule. T'es même pas habilité, en plus. Oh, à quelle autorité. Eh, remarque, s'il m'arrivait quelque chose, je suis plutôt bien placé, non? À côté d'un secouriste. Eh, déconne pas avec ça, là. On a déjà failli avoir un gros pépin hier. C'est bon, hein, j'ai prévenu les autres que tu remettais le jus. Tu peux me tenir ça? Merci. Impeccable. Bon, je vais prévenir Denis. Ça marche. Allez les gars, au boulot, le jeu est revenu. Ah bah tant mieux, j'ai une de ces patates cet après-midi. Moi je te jure, ce soir, c'est terminé, hein. Allez, tu nous envoies ça. Marcel, on monte. Bon, moi je vais rentrer, je vais aller acheter des fleurs à ma copine. Ah ouais? Ouais. Ça aussi c'est de la communication, mon gars. Et à mon avis, là, elle va comprendre le message. Quel message?